Très heureux d'être ici ce matin afin de prendre part à ce lancement avec vous. Je me réjouis à l'idée que nous soyons aussi nombreux à croire au haut potentiel de qualité de vie que nous offre notre région et ses localités. Dans Rousseau, qui correspond exactement au territoire que dessert le CJE de Montcalm, soit la MRC de Montcalm, les défis d'arrimage entre l'offre et la demande de main-d'œuvre sont bien réels. Lorsqu'on s'y penche, on remarque vite le déséquilibre entre les perles recherchées par nos entreprises de pointe et les candidatures reçues. Les besoins de techniciens, de professionnels, de métiers sont constants, particulièrement dans les secteurs industriels et manufacturiers. Ce portrait, vous le savez, n'est pas unique à Rousseau. Devant la proximité de la métropole, les défis de développement économique, particulièrement de main-d'œuvre, sont vastes et bien réels pour l'ensemble de la région. L'exode de nos jeunes qui y partent pour étudier puis y restent, une main-d'œuvre immigrante qui choisit de demeurer dans la métropole, mais de voyager soir et matin pour venir travailler, par exemple, chez Olimel à Saint-Esprit. Et bien sûr, l'attrait des salaires plus élevés, souvent, qu'offre la métropole. Puis ça, c'est sans parler du mode de vie de banlieue qui tend à s'étendre ces dernières années au-delà des MRC du sud de la région. Et là, quand je parle du mode de vie de banlieue, je parle des gens qui habitent hors de la CMM, mais qui y vont pour travailler. Ce phénomène d'étalement urbain augmente le nombre de déplacements, entraînant, bien sûr, par le fait même, une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Mais le marché de l'emploi change et on va tous y gagner. Plusieurs jeunes, aujourd'hui, aspirent à de grands espaces, à une cour arrière qui offre une liberté et à la pratique sportive d'activités de plein air et même un jour de semaine. Ils envisagent un monde plus vert. Mais du même souffle, ils demandent à poser des gestes qui réduisent leur empreinte écologique, tel un faible temps de déplacement pour se rendre au travail. Donc, comment on peut faire ça? Parce que là, on disait, les banlieues s'éloignent, et là, mais les gens continuent à aller travailler à Montréal, donc ça crée plus d'étalement urbain. En même temps, on n'a pas tous le goût d'habiter sur l'île de Montréal ou dans le CMM. La solution, c'est de vivre et travailler en région. Je pense que la vision montréalo-centriste du Québec, libéral, doit céder la place à une vision polycentrique où chaque communauté tire son épingle du jeu à travers des principes de développement durable. De même, parce qu'il est vrai que la vitalité économique d'une région est garante du dynamisme de ses communautés, je perçois cette initiative des CJE telle un important levier de développement. En ce sens, le déploiement d'une telle stratégie régionale est une excellente nouvelle pour l'avenir du nord de la région et pour les entreprises qui y sont établies. Travailler ensemble de manière cohérente pour l'avenir de chacune des MRC en maximisant les efforts d'utilisation des outils harmonisés m'apparaît une stratégie d'action que je ne peux que saluer. Merci à tous ceux et celles qui y travailleront. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci.